Louis-Marc Sakala est officiellement devenu le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques ARPCE. Cet ingénieur en informatique et génie des télécommunications a été installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre Léon Juste Ibombo. Votre devoir est de veiller aussi à une régulation saine du secteur postal, mais aussi à un accompagnement franc de notre opérateur national. Ancien directeur des réseaux et services des communications électroniques à l'ARPCE, sous le directeur général sortant Yves Castanou, placé à la tête de Congo Télécom, Marc Sakala est appelé à maintenir le cap et à faire émerger la vision d'une entreprise jugée en bonne santé. En 10 ans, ce que je retiens, 10 ans de bataille, 10 ans de travail, 10 ans de bonne entente, je laisse l'ARPCE dans un état... En l'état d'une entreprise qui est dynamique, d'une entreprise qui est innovante, d'une entreprise qui est performante, d'une agence qui est solide. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de remerciement envers le chef de l'État et un sentiment de reconnaissance aussi pour la confiance qui a 10 ans en mettant un jeune directeur général, M. Yves Castanou, qui a su relever ce challenge. Aujourd'hui, je rends hommage à mon prédécesseur, qui a fait un travail excellent au niveau de l'agence de régulation et du secteur des postes et des communications électroniques. Marc Sakala, nommé directeur général de l'ARPCE en Conseil des ministres du 27 mars 2020, entend garantir une bonne relation avec les opérateurs de téléphonie mobile pour le meilleur rendement du secteur des télécommunications et de l'économie numérique en République du Congo.